dernière réunion, c'est se prépare. Nous venons de terminer notre dernière séance avant de jouer le match de demain, un match très très important. Le mental, il est là. Nous continuons à travailler en compétiteur, tout en étant humble, sachant que nous avons joué un match difficile au Gabon. Et là, nous jouons une équipe qu'on connaît, on l'a vu jouer. Cette équipe-là nous a montré de bonnes choses. Nous, de notre côté, on s'est beaucoup plus intéressé sur nos déchets. C'est pourquoi nous les avons travaillé entre le premier et ces matchs ici pour faire un bon match d'un. Mais ce qui nous concerne ou ce qui nous préoccupe présentement, ce n'est pas le passé. Ces matchs-là sont déjà passés. Nous, on se concentre sur ce qui va arriver demain. Nous avons travaillé pour minimiser nos côtés faibles et essayer de maximiser ce qu'on a comme point fort. On a vu les côtés forts de Bouenguidi. Nous essayons de nous préparer pour éviter les surprises. Il n'y a jamais eu de match gagné d'avance. Nous savons que ça va être difficile. Nous devons mouiller les maillots pour faire les bons résultats que nous attendons tous. Voilà quoi. Donc la question m'est toujours posée par rapport à la petite histoire qui hante Maniema Union à domicile. Moi, je pense que si on arrive à nous qualifier, ça va faire une bonne chose, surtout dans le mental, aussi bien du public que des joueurs. Donc les joueurs sont bien là, ils attendent le match demain, ils sont déterminés à faire un bon résultat.